Bastien Mac, madame, si m'te prends remède là. Oui, maman te rimaille moi. Non, vous connaissez avec. C'est avec maman mon marché. Depuis maman lave mon dal, m'bon remède là. Depuis maman va laver mon dal, m'bon remède là. Y'a maman qui pas prend remède là. Ça te passe? Mal pour remède là, juste bon 8 et 10 soir. Depuis le matin, moi, monte supposé foubi moudal, il va foubi moudal. Bon, qu'on y a là le foubi juste dans la soirée. Bon, il est samedi. Bonjour, Boussalaise. Esprit libre tout le temps, yo. Ouais, moi, salut, nous. C'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui, là. C'est un privilège pour m'avoir, nous, comme d'habitude. Est-ce que nous comprenons? So, et en plus le monde peut-être moi connais nous les fans inconditionnels et aujourd'hui moi fonti parler sur yon vidéo et yo te dit que tag auteur vidéo à vous ouais te montrer nous qui vidéo moi parler de lui c'est monsieur et yo alors c'est de monsieur moi parler une seconde. Yep, c'est des messieurs qui me parlent dans la vidéo. Je vais tag monsieur, oui, parce que normalement, monsieur, c'est. Monsieur font une vidéo. Bon, il y a des gens qui écrivent, qui voient une vidéo. Bon, moi, je dis, mais ça me pensait de vidéo. Et monsieur faire bon et nous anyway on va le ba nos compréhension moins et on va le ba nos compréhension moins de vidéo ça on va l'analyser là avec nous et nous pas là pour n'acculer nous pas là pour juger nous juste pas le fond analyse de vidéo ça de ça qui dit de contenu vidéo you know. So, si nous capable tag monsieur dans vidéo, il gagne droit aussi pour le répondre. Même pas aucun problème pour le répondre, il lui répond. So, si on droit, il n'a rien à plus gagner pour répondre. Tout d'abord, on va faire vidéo sans pas porter atteinte à la à personne. Non? Ceci étant dit que on va juste analyser ça qu'il dit. La vidéo, quelque chose. Et puis, au même, on a fait déduction pour, on a tiré conclusion par où. Mais sans que nous pas porter atteinte avec nous. Right? So, et. Mais salut nous encore, on salue chaque grenègue qui a fait travail par eux. En plus, il y a un problème avec façon de opérer. Mais nous avons besoin de paix. N'a pas travaillé, il n'a pas avancé. Bon, mettez vidéo à vous, nous donner. Et monsieur qui a parlé. Et puis, nous allons interagir sous vidéo. Under de monsieur qui a parlé dans vidéo. Under de ça, monsieur a dit. Dans vidéo. D'abord. Là nous va jouer mais pas oublier c'est l'amdé pas que nous prendre plus passé ni nous pas dire pas que c'est esprit pas que discernement alors que mais m'a dit la Bible est seulement la donne 5% de bonnes choses 95% malfaites crée des autres la Bible c'est un livre qui est plus des autres là-dedans et c'est un pire livre côté qu'à la guerre dans le petit parce que qui Samuel enseigne petit pour les grands Bible là dedans. On va l'enseigner qu'Abraham te va mentir, c'est correct ou qu'a pas menti. Abraham fait visite à deux femmes, c'est correct, petit garçon. Ou qu'a pas deux femmes, ou qu'a fait petite avec Dieu a marché avant. On va le montrer que c'est correct que Jacob dit que 12 petites à plusieurs femmes pour montrer que c'est correct. Oui, malgré Jacob te va mentir. On va le montrer que des trahisons côté frère qu'a vendu frère pour montrer que c'est normal. Parce que m'expliquer, me dire que c'est la parole de Dieu.
toute écriture est inspirée. Je vais montrer que c'est correct, que Moïse tout le monde, Moïse sauvé, et Dieu, c'est Moïse qui choisit. C'est que petit garçon pas de problème, on va tuer le monde. Parce que tuer le monde, bon Dieu d'accord, et je ne vais pas dire pas bon. Parce que lui, ouais, côté on est tout le monde, et bon Dieu d'accord avec elle. Je vais parler de Josué, qui a tué le monde à Képé, passé dans le pays, et c'est Dieu qui a utilisé pour tuer le monde. Je pense que petit point, ça c'est correct. Je vais enseigner le JFT, qui touille pour petite fille. Qu'on a pour petit film dans le père, pour le penser qu'il a tué le tout à n'importe là. Parce que pour observer bon Dieu, le commandant fait n'importe bagaille. C'est sa Bible offrime que Dieu son malfaiteur. Et sa malfaiteur, c'est le mal marché. So, on va accepter pour que on va l'enseigner petit moins. Alors, ou alors, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Ou pas le jeune monde qui bat bravo pour lui. Les coco. Tination, ça. Bonjour, tination dangereux. On va le montrer nous comment le dangereux. David, tu es plusieurs monde. Et Dieu dit, moi, David, selon qui c'est correct. Tout y est, c'est correct. Je vais montrer que David, même tout le monde, il prend madame lui. Et David, est chargé femme. Oh, c'est normal. C'est la parole de Dieu. C'est ça, ma pensée, comme un bon exemple. Je vais montrer que Salomon a plus que 1000 femmes. Comment on va faire dire, ou bien qu'on seule femme, ou pas de plusieurs. Tandis qu'il est enregistré dans la parole de Dieu. Dans la Bible, nous dit que c'est la parole de Dieu, qui c'est ce symbole-là. Qui bon exemple pour moi, petit, dans ça. Qui bon exemple. Comprend le bail pendant que Dieu rejetait Saïl parce que Saïl choisit épargner la vie aux familles. Hein? Ça veut tout le faire bien à tout le monde. Si choisit épargner aux familles, Dieu rejetait pour ça. Parce qu'on désobéit à l'autre, il faut accepter de tuer le monde. C'est qui m'a dit visiblement depuis bon Dieu nous tuer, c'est tuer. Maman, c'est ça ma pensée. Ma pensée que Paul c'était persécuté le monde dans l'église. Et puis Paul, ça c'est lui-même m'a suivi aujourd'hui. Et Nation Jemisier dit que les maîtriser. Attendez bien. Nation Jemisier dit que pas de monde qui compte Bible la passe. Il compte Bible. On continue. C'est correct. Ou qu'a fait ce qui était normalement. Hein? Moi, bah, les pierres qui étaient allées, les coupées les oreilles, des méchancetés. Et puis, Pierre, ça, c'est son nom de l'église qui a bâti. Maman. Moi, bah, les que Dieu qui va traiter. Judas, qui va prendre Judas, allez faire son verre. Bon, là, monsieur qui est en fait en premier rêve, puis ça, c'est sous nom de l'église pour le bâti. Là, monsieur qui est en fait en premier rêve, on continue. Qui va écrire Satan dans la tête. Il va empiler les rêves, et ça, c'est une. Ils sont très comme ça. C'est ça, je vais l'enseigner. Qui est mon exemple pour le bâti, moi, là, que je vais montrer l'eau recueille. Hein? L'eau couche à propre petit cri. L'eau enceinte propre petit cri. Maman, c'est ça, je vais l'enseigner. Hein? Alors, ça fait un bon exemple, petit point. Quand je le fais, je vais me faire un petit film pour me dire. Mais là, dit c'est la parole de Dieu. Ça y est, inspiré de Dieu. Pour que ça dans la Bible, c'est soit malfaite. Moune mauvaise vie. Moune qui tue moune. Moune qui va mentir. Ça va seulement Dieu marché. Et m'a regardé Job, étant un homme pieux qui n'a pas menti, c'est lui qui a frappé. Maman, pour qui c'est le monde qui choisit vivre bien, il a frappé. Alors, m'a dit petit, moi, pas vivre bien. Parce que pour vivre bien, tu as frappé. Charge. Ah oui! Ah oui, t'es oui! Bon, mon Thierry! Bon, du coup, Maramari. Oh, j'aime Maramari. Est-ce que nous, on est qui ça? Non, mais déconne nous trop. Est-ce que nous, on est qui ça nous prenons la communauté ça? Nous chargeons pile travail pour faire. Les amis, regardez le travail que vous faites dans la communauté ça. Bon, mes chers amis, nous sommes tant de vidéos là, nous sommes tant de camarades là qui ont parlé, nous sommes tant de pasteurs qui ont parlé. Maintenant, je vais tant que pasteur à vous moi, je vais l'enseigner. Je vais l'enseigner pasteur. Alright. Tant que pasteur, je vais l'enseigner, pasteur.
Le problème qui se pose, c'est que là où on est levé, là, prend ou libre, sous ça, va maîtriser, vos chaînes, c'est ça dangereux. Lorsque on n'est pas maîtrisé, la pensée, dit dangereux. Et m'a fait référence à la pensée divine. N'est que ça dangereux. Et la, l'amalgame, confusion, l'absence de clarité, de rigueur, dans des machli, ou déjà montré que monsieur, son nègre, qui pas prend du temps, pour t'y apprendre bien maîtriser, apprendre, comprendre concept, ou apprendre qu'on lit. Faites attention! Azamba dit là. Tout d'abord, râlez plus nous, râlez créons nous, râlez caé nous, je vais dispenser un savoir. Voyez après, vous râlez, nous, Rizouane. Râlez plus nous, râlez créons nous, je vais dispenser un savoir. Et savoir, ça pourrait servir nous. Les nous, que vous nous rencontrez avec modèle d'individu. Voilà. Tout d'abord, il y a trois notions, trois concepts clés que je vais traiter pour monsieur. Problème monsieur soulevé là, il soulevé un problème théocédique. Pour moun qui pas connaît, déclaration, ouais, monsieur, tout ça, cela dit là, li soulevé un problème théocédique. Pour moun qui pas connaît, ça théocédique, vous l'avez dit. En quelque sorte. C'est la problématique, en quelque sorte, comme qu'il y ait à non seulement l'origine du mal, mais aussi l'incompatibilité de l'origine du mal et la bonté de Dieu et le fait que Dieu laissait le mal agir dans le monde. Mais il y a un truc qui est important. Les wap traiter la problématique de la théodicée. Non seulement ou bien la bonté de Dieu comme élément central pour considérer, mais aussi il y a l'origine du mal où doit mettre un rapport avec la bonté de Dieu. Et troisième élément pour considérer, c'est ce qu'on appelle la liberté humaine. Écoutez mes chers amis, ce que ça m'a dit là, parce que l'aime dit nous négio prend d'assaut. Les nègres pas maîtriser un, hein? Et puis y a parlé dans figimoun. Et c'est ça que fait toujours dit nous, yo paix fait débat avec el professeur del mundo. T'as des mieux ça m'a dit là. Tout d'abord, avant de arriver dans problématique théocédique que monsieur soulevé là, m'bral traiter dans un premier temps, la nature humaine. Et dans un deuxième temps, je vais traiter les conditions humaines. Et dans un troisième temps, moi, je vais aborder la problématique théocédique que monsieur soulevait là. Et je vais tirer conclusion pour me répondre à la problématique que m'était soulevé au départ là. Tout ça, monsieur Sodio là, il y a trois bagailles qui la donnent. Tout d'abord, la problématique de la nature humaine. Deuxièmement, la problématique des conditions humaines. Et troisièmement, la problématique théocédique en ce qui a trait à la bonté de Dieu envers l'humanité. Relève, monsieur, viens prendre note. Dis, monsieur, vin chita là pour le prendre. M'bal font une petite classe pour monsieur. M'bal permettre à ce que monsieur
viennent pour une petite classe pour venir tendre. Est-ce que nous tendez? Comment monsieur fait inviter monsieur viennent pour une petite classe là? Il pas besoin pile, nous pas faire pile temps juste pour monsieur capable apprendre maîtriser quelques notions de base, pas seulement théologie mais théocédique, au point dans et philosophie théologique, dans philosophie biblique, dans philosophie de la pensée divine, oui. Maintenant qui ça veut dire? L'on pas abordé en tant que théologien, yon est qui étudie la théologie, qui inscrit tête li dans les sciences humaines, tout d'abord, il faut qu'on bien maîtrise ce qu'est la nature humaine. Il faut avoir une certaine maîtrise des différentes conceptions de ce qu'est la nature humaine ou bien l'ensemble des approches conceptuelles qui fait, y a essayé de définir qui ça, nature humaine nan yé. Tout d'abord, qui ça nous entend par nature humaine? Nature humaine, c'est un ensemble de traits caractéristiques, en quelque sorte, que des hommes, des philosophes, a essayé tenter pour être capable d'identifier le genre humain. Maintenant, dans la philosophie, en quelque sorte, du monde occidental, il y a cette conception que ont développé de la nature humaine. Tout d'abord, il y a la conception rationaliste de la nature humaine avec René Descartes. Il y a la conception naturaliste de la nature humaine avec et l'ensemble des hommes qui ont avancé la philosophie naturelle. Il y a une troisième conception de la nature humaine qui c'est conception utilitarisme que en quelque sorte où yon a principal auteur yon qui c'est Stuart Mill. Nous gagnons la conception prométhéenne de la nature humaine. OK? Nous gagnons la conception vitaliste de la nature humaine. Nous gagnons la conception existentialiste de la nature humaine. Et en fin de compte, nous avons la conception tragique de la nature humaine. Je vais élaborer maintenant pour chaque conception ça yo pour nous capables de comprendre une idée de ce que les philosophes ont pensé de la nature humaine. C'est-à-dire, les philosophes, en quelque sorte, ont essayé par des approches différentes à cerner l'essence même de la nature humaine. Lorsqu'on parle de la nature humaine, en quelque sorte, n'est-ce pas réfléchi sur ce qu'on appelle, quels sont en quelque sorte, les traits caractéristiques qui gouvernent les propriétés, qui gouvernent le comportement humain, qui fait que humain ou considéré le temps qu'on est humain. C'est l'essence, il y a cherché l'essence. C'est un travail de réflexion, d'analyse qui portait sur la personne, sur l'homme, pour chercher comprendre l'essence de l'homme. Maintenant, Descartes, lui-même, qui s'alimentait au centre de l'homme, qui gouvernait l'homme, c'est la raison. La faculté de raisonner, la faculté de rationaliser. Maintenant, il partit du postulat, il posait postulat de départ, il avançait, il dit que l'homme est un être doué de raison. Et si l'homme est un être doué de raison, il dit que, en quelque sorte, l'ensemble des comportements, des décisions, de pensée, action, homme n'a posé, y ont quelque sorte résultat de capacité d'homme n'a gagné pour le capable réfléchir de façon rationnelle. C'est le postulat de départ. C'est-à-dire que le comportement de l'être humain est gouverné par la raison. Ça, c'est la conception, en quelque sorte, rationaliste, que Descartes a avancé, en quelque sorte, pour expliquer que l'homme est un être purement rationnel. Maintenant, il faut comprendre que cette conception de l'homme, en tant qu'être rationnel, il peut connaître ce qu'on appelle ses limites. Il peut connaître ses limites avec, bien entendu, la conception naturaliste.
La conception naturaliste pourrait dire, mais écoutez, il faut comprendre que l'homme est aussi un être doué et gouverné par des forces déterminisme de la nature. C'est-à-dire que, ça n'est que avancé, il dit que l'homme est un être naturel, il fait partie de la nature, et puisqu'il fait partie de la nature, il y a bien sûr, il n'est pas échappé aux lois du déterminisme naturel. Et puisque l'homme est un être naturel, il fait partie de la nature, il n'est pas échappé aux lois déterministes de la nature naturelle qui gouvernait la nature. Et à dire que cette capacité à dire que l'homme est doué de raison, l'homme est avant tout un être naturel, c'est-à-dire gouverné par les lois déterministes qui gouvernent la nature d'une façon générale. Et ceci étant dit, ça explique en quelque sorte et approche darwinisme, les Darwin, Charles Darwin qui expliquait que l'homme est un être et la théorie évolutionniste qui dit que l'homme n'est son être qui évolue parce que l'idée découlée de la nature, c'est en quelque sorte c'est un être naturel. Ça c'est fait partie de la pensée naturaliste. Maintenant vous avez de notre côté et une conception utilitarisme en quelque sorte qui gouvernait et apporté par la philosophie anglo-saxonne, c'est-à-dire les Anglais et le monde anglo-saxon, les gouvernaient en quelque sorte par cette philosophie utilitariste qui expliquait, qui dit que l'homme, l'être humain est un être essentiellement égoïste. Maintenant, il y a avancé pour dire trois lois en quelque sorte qui expliquaient, qui gouvernaient le comportement des êtres humains. Tout d'abord que l'homme n'a première loi, que l'homme n'a son être égoïste, essentiellement égoïste, que normalement premier réflexe, c'est chercher par tous les moyens à satisfaire ses intérêts personnels, ses intérêts et personnels. Deuxième loi, c'est la loi que l'homme n'a lui-même dit toujours à chercher ce qu'on appelle maximiser profit. Ça veut dire maximiser profit, dans le sens que lui toujours à chercher minimiser coût ça l'a fait et puis pour le jeune au maximum de profit. Et troisième loi yo considéré, yo dit que l'homme non c'est un être rationnel. Nous connaissons la loi du marché, le capitalisme en quelque sorte prônait une certaine vision du marché que et Adam Smith et avant c'est tout prônait et l'ensemble des hommes nous prônait pour dire que l'homme non en quelque sorte l'essayon être qui et comme des capables de dire ça qui sont être rationnels. Et toute recherche, lui, en quelque sorte, c'est à satisfaire désir et intérêt dans le marché. Et nous avons un troisième être, une quatrième conception, c'est la conception prométhéenne de l'homme. Qui sa conception ça dit? Conception ça lit enraciné dans ce qu'on appelle la mythologie grecque. Prométhée, en quelque sorte, Prométhée, c'est ça, nous dérilé, c'était un dieu. C'était une divinité grecque de l'Olympe. Qui ça Prométhée fait? Prométhée, pour moun qui pas connaît, c'est lui-même que yon dit qui te volait le feu, en quelque sorte, des dieux, et puis il te baille, li à l'homme. Maintenant, depuis les à l'homme vient gagner ce qu'on appelle, gagner accès à ce qu'on appelle technologie, le feu ici, le feu de Prométhée, lui symboliser ce qu'on appelle la technologie que Prométhée te volait et non mais Dieu et puis il te baille l'homme. Maintenant le problème qui se pose ici c'est que Zeus pral fâché, il volait Zeus pral fâché, la Prométhée, la puni Prométhée, la condamné Prométhée à une sentence. Côté la Prométhée, la accroché Prométhée à une montagne et bien entendu chaque jour, a gagné yon aigle qui a vini pour manger foi Prométhée. En réalité, qui ça li caché de ça, c'est que li fait comprendre que l'homme nan li fait partie de l'histoire. L'homme nan li pas qu'à échapper avec un processus
historique. C'est-à-dire, l'homme n'a pas une histoire. L'homme n'a non seulement une histoire particulière, que est l'histoire humaine, mais aussi, l'homme n'a, en quelque sorte, li pas qu'à échapper à ce qu'on appelle les marges de l'histoire. C'est-à-dire que li déterminé aussi par l'histoire, gagnons déterminisme historique qui gouvernait le comportement de l'homme, les événements, en quelque sorte, que l'homme a fait dans l'histoire. Et il y en a auteur, les auteurs, les philosophes qui ont penché sur cette courant de pan et qui accouché, qui épousé cette vision, cette conception de l'homme, nous gagnons Hegel, nous gagnons Marx et nous gagnons Vicomte. Ce sont des philosophes de l'histoire qui, en quelque sorte, a abordé l'histoire suivant un certain déterminisme historique. Et de notre côté, mes chers amis, en cinquième conception, c'est la conception vitaliste. La conception vitaliste, mes chers amis, c'est une conception qui consiste à dire que l'être humain est gouverné par le principe vital, c'est-à-dire des énergies vital, qui n'a être humain, hein? Ça nous relève le bios là. Et, par exemple, les pulsions, les passions, ok? Ce sont des forces obscures qui gouvernaient le comportement humain. Et dans cet schéma de pensée, mes chers amis, nous gagnons des philosophes tels que Schopenhauer, ok? Qui c'était professeur. Et Nietzsche, ou bien aussi Nietzsche, qui pral venir avec la volonté de puissance, ok? Nous dit Schopenhauer qui posait la problématique, qui avançait le monde comme volonté et comme représentation, ok? Et nous dit aussi Bergson qui parlait de l'élan vital, ok? Mais il y a un élément important pour nous considérer, ce sont les deux hommes, Karl Marx et Freud, Sigmund Freud et Carl Jung, en quelque sorte, qui sont des contemporains, mais qui ont donné naissance à la psychanalyse et qui, après, porté toute recherche sur l'inconscient, non seulement de l'homme, ça c'est Freud, mais l'inconscient collectif, comme le concept clé de la pensée de Carl Jung. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce titre-là, cette vision de l'homme, c'est que l'homme n'est pas un être rationnel. D'après cette courant, cette conception de l'homme, l'homme pas seulement un être utilitariste, doué, ego, whatever it is. L'homme pas seulement un être rationnel qui a cherché maximiser profit, mais le comportement, l'ensemble des comportements humains, est gouverné par des forces obscures que l'homme pas qu'à arriver saisir. C'est ce qu'on appelle l'inconscient, l'ensemble des forces vitales, des pulsions, des passions, en quelque sorte, qui responsable à 80% et 90% du comportement humain. En fait, c'est l'univers de l'irrationnel. Mais en réalité, Freud est aussi rationnel que les philosophes des Lumières. Parce qu'en réalité, ce que Freud a voulu dire, c'est que tout ça nous est que nos comportements humains que nous pas qu'à expliquer, c'est pas le fait que nous pas qu'à expliquer, c'est le fait que nous pas qu'on ait explication. Mais tout comportement humain, tout acte l'homme n'a posé, quitte c'est acte manqué, quitte c'est acte raté, quitte c'est lapsus, quitte c'est ça, li gagnons explication. Le fait qu'on pas qu'à expliquer yon acte manqué, le fait qu'on pas qu'à expliquer lapsus, le fait qu'on pas qu'à expliquer yon rêve, le fait qu'on pas qu'à expliquer yon bagay nan zyo qui paraît irrationnel, ne veut pas dire pour autant que li pas gagnon raison, li pas gagnon cause, li pas gagnon justification et li pas gagnon explication. En fait, si n'a tiré conclusion, c'est que Sigmund Freud est beaucoup plus rationnel que la pensée rationaliste qui a gouverné le 20e siècle, le 18e siècle, le 19e siècle, et bien entendu pour entrer dans le 20e siècle, côté que Freud va lui mettre la question. C'est tout à fait intéressant. Maintenant, le fait, ce que Freud, pour monde qui pas comprendre la pensée de Freud, ce que Freud a voulu dire, c'est que c'est pas parce qu'on pas comprendre nos comportements ou qualifier d'irrationnel. Leur qualifier un comportement de irrationnel ou simplement dit que ou sont rationalistes, c'est que ou pensez qu'à expliquer toute bagaille par la raison, ou pensez qu'à expliquer tout le comportement humain par la raison. Freud a voulu mettre un frein. Freud dit que faites attention,
C'est vrai, la raison et métaphysique, la raison et la pensée rationnelle n'est pas expliquer simplement tout le comportement humain. Il faut aussi entrer dans l'inconscient humain, pour aller chercher des explications avec des comportements qui dans yeux ou qu'apparaît irrationnel. C'est ça Freud dit. C'est-à-dire, Freud partit du postulat pour dire même le comportement qui dans yeux le qui paraît dans yeux le plus irrationnel, il a une explication, tout simplement, ou chercher dans un mauvais endroit. Il faut que vous fassiez une psychanalyse des troubles mentaux, des comportements que vous jugez irrationnels, qu'auraient les folies, qu'auraient pas qu'à comprendre. Le fait qu'on pas qu'à comprendre un comportement, ça veut dire tout simplement qu'on est au niveau d'ignorance. Et c'est gros cause. Faut péter mon d'avis. Bon. Faut dire en réalité, tout ce pas qu'à connaître, ou pas qu'à expliquer, ou bal label, ou mettez la côté. Parce qu'on partit du postulat que le comportement est de l'être humain, ou qu'à expliquer par la pensée rationnelle. Non! Le fait qu'on va chercher logique dans un comportement, le fait qu'on va chercher bon sens dans un comportement, le fait qu'on va chercher rationaliser un comportement, ne veut pas dire pour autant que, ou arriver saisir comportement. Non! Ce que Freud a dit, l'enjeu ici, c'est le fait que, ou partie seulement, ou esclave seulement de la pensée rationnelle, pour expliquer l'ensemble des comportements humains. Freud dit non. L'ensemble des comportements humains, c'est pas seulement la pensée rationnelle qui est capable d'expliquer les comportements humains. Il faut aussi aller faire appel à d'autres formes d'analyse qui basé dans les conscients humains, hein, pour capable expliquer des comportements que vous pas comprendre. Et gogo zi, oui. Alors, ouais, des hommes de coup Freud, de coup Carl Jung, yo pral bay naissance à la psychanalyse, ou pral ouais nèg sa yo pral avancer de façon considérable dans démarche yo. Et ceci étant dit, mes chers amis, pour moun qui pas prêter attention à ça, la pensée rationnelle a été remise en question, bien entendu, par Sigmund Freud, en quelque sorte, qui dit que il ne faut pas essayer de tout expliquer. Côté monsieur dit, le moi n'est plus maître chez elle. Là, monsieur dit, le moi n'est plus maître chez lui. C'est-à-dire que c'est pas tout comportement humain qu'on est capable d'essayer saisir par la conscience. Et pas tout acte ou commettre qu'on est capable d'expliquer consciemment. Il y a d'autres explications. C'est-à-dire, c'est ça que lui utiliser le concept clé qui relève l'inconscient. C'est-à-dire, c'est le lieu de refoulement des désirs, des passions que société a, ou bien l'ensemble des valeurs morales, contraint tout pour capable refouler. Il dit à un moment donné, leur refoule les désirs, leur refoule les passions, leur refoule les, yo créer ce qu'on appelle des frustrations, et yo vin tourner une masse énergie qui pourrait constituer des troubles au niveau du mental, au niveau de l'esprit. C'est pour ça y aurait les névroses, névrotiques, ou bien c'est parce qu'en quelque sorte, le monde extérieur, le monde social, à partir de contraintes li imposé sous vous, qui imposé ou, et satisfait désir ou passion, envie ou, automatiquement, ou vin trouver une situation de refoulement. Et refoulement, ça a, tout ça pas qu'à satisfait dans le monde à cause des contraintes morales et sociales ou refouler lui dans l'inconscient. Et l'inconscient, ça a lui-même, lui-même agit sous ce qu'on appelle votre système nerveux. Et à partir de là, ou même, ou pral paraître, ou pral manifester des troubles, des symptômes au niveau du comportement. Maintenant, mes chers amis, nous allons entrer dans la sixième conception. Sixième conception, hein, c'est la conception existentialiste de l'homme. La conception existentialiste de l'homme, mes chers amis, les parties du postulat, il posait le principe que l'homme est un être essentiellement libre.
Et en réalité, c'est cette liberté, de l'homme qui prend le souci d'angoisse, nausée, qui prend le créer, ça aurait les problèmes là, qu'est l'homme. Parce que, en réalité, la pensée existentialiste dit que l'existence précède l'essence. Ça, je le dis pas là. Ça, c'est Jean-Paul Sartre qui a avancé. Vous savez que Jean-Paul Sartre était contemporain, bien entendu, de Camus, Albert Camus, et négoté bons amis, ils ont rencontré à l'école normale et supérieure de Paris, où t'es gagné Heidegger, où t'es gagné, bien entendu, ses contemporains Heidegger, et Simone de Beauvoir, et Albert Camus, et Jean-Paul Sartre. Bon, Jean-Paul Sartre était un petit bourgeois, parce que Jean-Paul Sartre, en quelque sorte, il était sorti d'une famille bourgeoise, et monsieur, en quelque sorte, arrivé à Paris, bien entendu, il vient intéressé à la philosophie, il est entré dans la, il était commencé à participer dans des clubs de réflexion philosophique, et puis monsieur, pour l'intégrer, l'école nationale supérieure, côté que lui, pour rencontrer Simone de Beauvoir, il pour venir tous les amis, et il pour venir tous les femmes avec nègres, et vous nous connaissez Simone de Beauvoir, il écrit ce qu'on appelle le deuxième sexe, et Manzé, en quelque sorte, pour venir une figure majeure, et dans le mouvement, ça nous relève le féminisme, non, en quelque sorte. Pour tout le monde qui pas connaît, bah, ça, on m'a pas noté background, non, et pour avoir un gros problème, dans le contexte, bien entendu, de la Deuxième Guerre mondiale, on pourra parler de l'après-guerre, et il y a un problème que, Jean-Paul Sartre pourra gagner avec Albert Camus, c'est parce que Jean-Paul Sartre a une tendance gauchiste qui était toujours traversé lui en tant que philosophe, mais il était toujours à attaquer le nazisme, mais il était toujours à pendant la patate le totalitarisme nazisme en quelque sorte, et puis il fait un gel sous et les goulags, c'est-à-dire les goulags du communisme que Staline t'a fait. En fait, nous parlons que et camarade la Balvini. Vous voyez que, comment il s'appelle, et camarade là, Albert Camus Pralvini, et Albert Camus, en quelque sorte, les Pralvini paraissent, les Pralvini essayer d'établir ce qu'on appelle une différence entre les deux. Merci, bon, mon suivant. Monsieur Negopral dit que le principe Negopral avancé, c'est que le monde, en quelque sorte, est dépourvu de sens. Il est parti du postulat que le monde est dépourvu de sens. C'est l'absurdité. Et il va utiliser cette liberté que vous avez la caillou pour construire du sens. Elle a dit que, c'est ça, monsieur dit, les monsieur dit, l'existence précède le sens. L'existence, en quelque sorte, il voulait parler de ce qu'on appelle les conditions humaines. Les conditions humaines, en quelque sorte, pas de sens. Maintenant, il revient à l'homme de faire usage de sa liberté pour construire sa relais sens à la ville. La vie, au départ, la vie existentielle n'a pas de sens. Mais c'est l'homme qui doit faire preuve de liberté. Et cette liberté, il traduit par ce qu'on appelle la création du sens, l'invention de ce qu'on appelle du sens par la pensée libre. Ego causé. Mais dans le autre côté, dans septième conception, c'est ce qu'on appelle la conception tragique, la pensée tragique, la pensée négative. La pensée négative, en quelque sorte, en second. La pensée négative, mes chers amis, la pensée négative, c'est en quelque sorte
C'est le fait, il est parti du postulat pour dire que sur la pensée de Pascal, l'homme n'a pas ni ange, ni démon. Et si l'homme n'a, il n'est pas ni ange, ni démon, allez, ouais, alors faut comprendre bien, là, il y a 140 personnes qui ont gardé. Parce que vous pensez que vous avez entré dans le monde, 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 je dis, mais c'est ça. L'homme dit, nous, nation, ça remet charonge. Nous, c'est ça. Son nation remet charonge, remet zin. Vous pouvez leur parler de, leur dispenser connaissance. Nous pensons que c'est pour gagner 6000 là, tu vas diriger nous. Si au Liban, tu vas diriger nous. Et pour nous, on est qui gagne docteur, nous va passer dans le caca. Parce que, peuple, ça tellement salaud. Il est tellement pauvre dans l'esprit, yo. Il est tellement sale, il est vraiment tellement mal propre, tu vas manger caca. C'est normal. Yo allergie aux bonnes choses. Et c'est une raison qui explique où est dans être malin là, y a ba yo manger caca matin midi soir. Parce qu'en réalité, son nation qui aime caca, qui aime malpropreté. Ouais, yo marron là. Yo marron. Zanmim, dans des nap di pays ça va le développer. Qui côté pays ça va passer pour le développer ya? Yo nation c'est normal malpropreté visuellement. N'a pas George ou même qui États-Unis ou même qui Canada, ou même qui en France, ou même qui Chili, en Amérique latine. Pas entre corps pi fond. Pas entre corps ou. Pas entre corps pour aller à l'école. Pendant Chili, pendant Brésil. Pendant ou non, en Amérique latine. Pas entre corps pour aller à l'école. Pas entre corps pour ou même qui Canada, pour aller à l'école. Pas entre corps ou même qui en France, pour aller à l'école. Occupé nation, senti caca ça. Qui sort dans ces hôtels? Wakon George. Wakon George. Et c'est yon nan problème qui gagne. Et c'est yon nan problème qui gagne. Comment on va le faire arriver pour changer condition, pour changer condition humaine? Comment on va le faire? Lorsqu'on peuple devant comme ça, l'on dit là on peuple comme ça. Faites attention. Qui sont respect? Qui sont attendre? Qui sont attendre? Gogoze. Non, pas une question. Pas une question niveau trop haut. Yon nan bagay pour apprendre, pour apprendre qu'on est. C'est pas seulement niveau trop haut. C'est ça te fait l'école. C'est battre ou battre l'école pour apprendre. C'est forcer ou forcer pour apprendre. Parce que bon tendance naturelle, attendez bien, il y a une tendance naturelle, même là qu'il nomme non, pour nager, pour baigner dans l'ignorance. C'est ça même qui l'a c'est une normalement une nature humaine ça, conception nature humaine ça à la fin. C'est gros causé. C'est tendance naturelle là, c'est ça. C'est ça, oui. La parole de Dieu que Mackins pas maîtrisé, cette tendance que l'homme n'a gagné pour l'enclin au mal, pour le faire mal la même, ses conséquences directes, ça aurait les péchés. Et c'est lui, en quelque sorte, n'a gagné pas pour philosopher sur lui. Et c'est lui, Mackins, pas maîtrisé, the sinful nature of human being. Cette tendance naturelle à faire le mal, à pencher vers le mal. Li remet toute bagaille même qui pour entraver, qui pour te tête à lui-même. Li remet ça même, nature humaine. C'est ça que fait yodou, ou mettre où l'homme avancé, dans tout niveau de avancé. Li même encore, à un moment donné, li pral lever, pral constituer une menace pour propre tête pâle. Et nous pral ouais que, Hobbes, pral dou que, l'homme est un loup pour l'homme, d'où la nécessité du Léviathan. Comprenez mieux, c'est naturellement oui l'homme n'a gain instinct pour détruire tout ça qui semblait avec elle. Et gogoze. Ou est-ce qu'on pas maîtriser différentes conceptions ça de la nature humaine? C'est normal oui pour venir parler même à Mackens. C'est normal pour tendre ça Mackens dit
ça Mackenzie yo ou prendre pour vrai. Pour qui raison? Bon, aller plus loin. Il y a ce qu'on appelle dans la deuxième partie, les conditions humaines. Qui ça nous entend par conditions humaines? Conditions humaines, il y a un rapport avec l'ensemble des événements qui marquaient l'existence humaine, la vie humaine. Par exemple, nous gagnons ça relève la naissance. La naissance, c'est une condition humaine. Ou pas venir dans le monde en tant qu'humain pour pas passer par la naissance. Ça, c'est la première condition. Deuxième, non, c'est l'apprentissage. Que vous voulez, que vous voulez. Dans l'environnement où il y a, vous pas apprendre quand même. L'esprit obligé à apprendre pour l'adapter. Qui tout est chita à l'école, qui tout pas chita à l'école, la vie elle-même, c'est un professeur qui a enseigné ou. Ou pas apprendre one way or another. C'est-à-dire, l'apprentissage, c'est une condition de l'existence humaine. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle les émotions. Qu'on veut, qu'on pas veut, ou bien feelings. Qui tout remène, qui tout pas remène, ou bien feelings. Ça veut dire, ou pas qu'à échapper à ça. Ou bien des jours été ou fâché, bien des jours été ou content, bien des jours été ou senti ou triste, bien des jours chéri. Ça, c'est dans la nature humaine. C'est condition, ça. Condition, c'est que, ou, là, à un moment donné, ou surtout happy, à un autre moment, ou surtout pas happy, à un autre moment, on vit crier, à un autre moment, pas envie de crier. That, c'est la condition humaine. Et nous pouvons gagner ce qu'on appelle les aspirations humaines. Depuis ces moun qui fait, automatiquement, yon gen sa yon le lakayo, yon rêve, yon aspiré, ou envie vin un bagay, ou envie vin quelque chose. Ou gen aspiration, ou envie marier, ou envie faire petit, ou envie marier, ou envie faire petit, ou envie marier, bon monsieur. L'envie marier ou envie faire petite, toutes ces conditions humaines. Maintenant, gain ça relève les conflits. Ou pas quand empêcher ou faire conflit, entrer dans conflit à monde. C'est nature humaine. C'est conditions humaines. La guerre, chire yon l'autre, chire pit, bataille. C'est conditions humaines. Sexe, c'est condition humaine. Ou pas capable de combattre. Et puis, maladie, c'est condition humaine. Souffrance, c'est condition humaine. Grand goût, c'est condition humaine. Tout bagage, c'est condition humaine. C'est yotri mayou que vous êtes être faible. C'est yotri mayou que vous êtes ou conditionné ou pas libre. C'est condition humaine, oui, mayou qu'on pas vraiment libre. Ou gagner par exemple l'amour montre qu'on pas ou pas libre en Dieu. Ce sont les conditions humaines, la souffrance, l'amour et bataille, guerre, émotion, naissance, bagaille ça yo pas mando sous d'accord, sous pas d'accord. Yo pas mando sous d'accord, sous pas d'accord. C'est ça les conditions humaines ou conditionné par yo même. Yo pas besoin qu'on est sourire mais yo pour yo venir. Yo pa besoin la mo pa besoin konnen sou remen sou pa remen pou vini. Yo pa besoin konnen. Yo pa besoin konnen. That's the way it is. Ou pa ka kache yo, c'est ça oui. Ou pa besoin ko, yo pa mande aval ou, yo pa mande est-ce qu'on d'accord, est-ce qu'on vle la mo, yo pa mande bagay comme ça. Souffrance pa mande, pa mande est-ce qu'on d'accord pour souffrir. Maladie pa mande est-ce qu'on vle Mvini, non, y'a pas besoin qu'on est. Y'a pas besoin. C'est condition humaine. Maintenant, nous finissons de développer nature humaine. Nous finissons de développer, nous présenter conditions humaines. Maintenant, nous allons entrer dans la théodicée. Maintenant, la théodicée. Ah, mon cher, m'a demandé, est-ce que vraiment, combien de monde qui comprennent? Ça m'a dit là. Mettons-y notre en bas, s'il vous plaît.
Yeah. Mais d'autres notes. Michel Mouin là, mais d'autres notes en bas, moun qui vraiment comprennent ça m'a dit là, ça m'a développé là. Et vous, m'a fait philo, m'a fait philosophie. C'est philosophie, m'a fait. So, maman de nous pour nous comprendre. Et est-ce que nous comprenons? M'darem, mais nous dîmes, est-ce que nous vraiment prêter attention à ça? Je n'aime pas de problème, là. Vous avez une disposition comme ça? Moi, je dis. Alright. Un bon nom. Mm-hmm. Good job. Yeah. Maintenant, nous allons passer dans Théodicée, mes chers amis. Nous allons passer dans Théodicée. Gain peut-être dans nous, c'est pour la première fois que nous tendons mots ça. Nous tendons mots yorélé et Théodicée. C'est la première fois que nous tendons. So, et, m'a dit nous sincèrement que mots ça, li pas être anti-gen bizarre. La petite, y'a pas de problème là, jeune homme n'a pas de problème. Ici, visuel, attention. So, Théodicée, quelqu'un pour le dire avec trois bagages. Là, font analyse théocédique. Il y a trois bagages nous besoin. Considérez l'amour de Dieu, c'est-à-dire la bonté de Dieu. De notre côté, et deuxièmement, la liberté de l'homme qui gagne pour corollaire la responsabilité. Et nous avons troisième, bien entendu, qui c'est l'origine du mal. La théodicée, l'important, pour qui raison, lui soulever un problème fondamental. Non seulement soulever le problème relatif à l'origine du mal, si bon Dieu, aussi bon, aussi d'amour, si bon Dieu, aussi bon, aussi d'amour, aussi sweet, aussi nice, j'en dis là, est-ce que il est capable de permettre pour gagner mal dans le monde? Mes chers amis, mes chers amis, c'est là camarade Marquez, c'est là pasteur Marquez vous évente. C'est là Marquez vous évente. La parole de Dieu choisit des hommes et des femmes de nature humaine extrêmement corrompus. Nature humaine extrêmement corrompue. Li prenyon David, qui c'était yon adulteur, kap bay adulte, kap couché, kap, on murder, ouais. Li prend David comme murder, ouais. Li prend Josué, li prend Moïse comme criminel, li prend ti monsieur kap van mounyo, li prend, pour qui raison? Li prend tout nexao. C'est pour le cas pointer nous non direction pour révéler le vrai caractère de Dieu. Dieu choisit des hommes et des femmes qui n'ont condition qui pis mal que péché te kamete yo. Il prend des hommes tant kou. Il prend des hommes tant kou. Abraham kap bay menti. Il prend des hommes tant kou. Adam. Il prend des hommes tant kou. Et Moïse qui tue moun. Il prend des hommes tant kou. David. Tant kou Salomon. Nèg sa yo trait fait tout mauvais bagay qui te ka genye. Juste pour le montrer nous dans qui point l'amour li grâce li surpasser le fait que nature nous pécheresse là
te mette nous. Bon, mon seconde. Allez. Non, là. Comme il. J'ai l'homme décidé pour lui venir. Pour lui venir dans la classe tout. Bon, on vient dans la classe, on dit un bagage. On dit un bagage, j'ai envie de dire un cousin. Dis un cousin. On vient dans la classe tout. On vient dans la classe. Dis-moi, c'est aïe. C'est aïe. Non, ça. Non, ça a pire de passer par moi, lui. Je dis non, ça. Moi, épiche. Comment est-ce que je vois? Je me dispense de côté de ça. Eh? Épiche. Eh? Alright, alright. Ok, si. Ok. Alright, alright. Ok. Bon. Pour moun qui pas prêté attention, et. M'a dit nous que yon nan élément important nous devons considérer c'est que bon Dieu choisit ses hommes. Yon bon Dieu choisit ses hommes. Eh, après moi mais ouais moi me dit tu nèg net toi tête grande regardez. Regardez j'ai tête monsieur Green. Regardez. Monsieur Green a besoin vie permanente, puis son nouveau. Est-ce que nous n'avons pas besoin de vieux quel ou de vieux permanent? I love you, big boy. Oui. Bon, est-ce que nous avons dit l'Ivanek? Tibo Salza va dire l'Ivanek. L'Ivanek ici, non? Gardez travail, nous. Non. Est-ce que tu veux nous avons dit l'Ivanek ici? Cheve a qui te trahi lui. Si monsieur t'allez voir bah à télé parce qu'il cabine bluffé moun. Les va bluffé ici non. Cheve a dit oh bullshit. Monsieur Bossal juste dans cheve lui. Mais il va pas j'ai. Bon. Monsieur Bossa, juste dans le regardez. Depuis nous n'en paraître. Chez Véodie, hein. Pas de caca là, non? Oui, mais là, je vais. Est-ce que monsieur partage nos petits? Est-ce que monsieur partage nos vieux? On vieux permanent, non vieux? Bon, on avance. Ouais, faut que fun tout. My black tout. Mais il s'est enragé. Non, au moins. Au grand cheve, ça ressemble avec cheve. Est-ce que nous jouons des film africain, bouteille, t'es se tombé dans celle-là? Africain tap. Africain tribizou, yo. Africain qui tap, bah,
Monsieur Tom. Et il s'est semblé avec petit tonton africain, avec ti bay qui t'a couru de là. I love you. Alors, comment c'est, monsieur? C'est cette flèche-là. C'est cette flèche-là, monsieur Baguin. J'ai un exact. Je dis ça. Je dis ça. Bon, mes chers amis, un mec funny. On dit, Daddy Aptipsou, all right, Daddy Aptipsou, ok, qui dit ça là, all right, ok. Bon, j'ai pas live là, non, même là, j'ai gardé là. Bon, et yon n'en barre pour n'apprendre qu'on est, relax, yon n'en barre pour n'apprendre qu'on est, mes chers amis, c'est que, raison qui fait bon Dieu, mais côté Mackenzie, vous vente lui. Raison qui fait bon Dieu utilise Nectan pour Moïse, qui c'est un criminel. Il utilise Nectan pour David, qui c'est un murderer. Nectan pour Abraham qui a bay menti. C'est pour être capable de révéler vraie nature humaine. La nature pécheresse de l'homme. Et pour le montrer que, même les, ou t'as non dimension qui pi mal, même l'autre pi gros criminel qui t'es qu'à gagner, même l'autre t'es pi gros pécheur qui t'es qu'à gagner, même l'autre a fait crime qui pi mal là, bon Dieu toujours qu'a servi à avoir, il a toujours changé. Ça m'a Kens pas prêté attention. C'est que, moun sa yo, bon Dieu servi avec yo, bon Dieu toujours changé yo. Un, li changé David. Deux, li changé Jacob qui te volé. Trois, li changé Abraham. Le Abraham fin bay menti, li changé non Abraham, Abraham en Abraham. Trois, li changé Moïse, dit Moïse, ma foi vin tout non Dieu pour Pharaon. Quatre, li changé David repenti dans Psalm 51, il dit voici l'homme selon le mon cœur. C'est-à-dire c'est cette capacité que Dieu gagnait pour le prendre dans tout état de nature, avec tout état où pour le prendre, pour le changer, pour l'utiliser comme messager. Message qu'il faut que Dieu voyait bah où à travers sa parole, c'est que quel que soit le niveau ou t'as effondré, quel que soit le niveau t'as arrivé, Dieu tellement amour, les papes qui t'es péché, décontrôle. Et c'est ça pour l'expliquer la venue de Jésus. Les voyait Jésus pour le montrer que même l'autre t'es plus mal, même l'autre t'es péché, ou t'es plus mal qui t'es arrivé, Jésus a toujours porté la victoire sur le péché. Mackens, voyez votre lit, c'est bien malheureux pour un nègre comme ça, pas fin maîtriser l'évangile. C'est gros causé, oui. Et ça fait mal pour monsieur arriver dans la direction ça, pour monsieur prendre chemin ça. Mon Dieu, c'est un Dieu qui d'amour lié. Pour révéler le caractère, lui, premièrement, faut le montrer que le cas servi à avoir, même l'autre est dans un niveau qui pis mal. Les cas utilisés, même l'autre est dans un niveau qui pis sale qui dégagne. Même les sociétés jeto, même l'autre est fait prison, même l'autre est fini, même l'autre pas gagné la vie encore, même l'autre pas gagné espoir encore. Bon Dieu toujours montre que, ça ouais, pas vrai nature ça. Ou maintenant criminel, c'est pas vrai nature ça. C'est à cause du péché qu'on hérité qui fait ça. C'est une raison que pour aller voir Jésus pour résoudre le problème du péché une fois pour toutes. Quel que soit, après Jésus dit, tout monde péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle que soit condition t'es caillé, quelle que soit nature humaine nous, quelle que soit condition humaine nous, ça pas défini nous. Parce que Dieu t'es créé à image, lui t'es créé avant le péché de façon propre, de façon clean, où t'es bon dans les yeux de Dieu. Mais c'est à cause du péché
que vous venez déchu, ou vous venez tomber, ou vous venez mal, ou vous venez criminel, ou vous venez assassin, ou vous venez voler, ou vous venez tuer, ou vous venez murderer, ou vous venez adultérien. Pour qui raison? Malgré ça, bon Dieu montre, quel que soit sa péché à tes cafés de ou, still, il y a capacité, il y a l'amour, la qualité neuf, pour le prendre dans la condition de ya, dans l'étorté ya, pour l'utiliser, pour le laver, pour le nettoyer, pour l'établir, et pour le fortuner, un messager pour lui. Bon Dieu pas prend moun qui juste, qui sans péché, qui sans tâche, pour prêcher l'évangile. Bon Dieu prend des hommes, qui sont des pécheurs, des hommes, que la vie n'est pas bon, pas digne, li prend yo, li nettoye yo, li rétabli yo, et puis pour y aller prêcher l'évangile, pour y aller avancer, annoncer l'évangile du salut au monde, pour y aller dire, yon moun, quel que soit côté ou teye, quel que soit t'es criminel, quel que soit t'es assassin, quel que soit t'es volé, quel que soit t'es adultérien, quel que soit la vie pas de bon, mais moi-même, li servi à voir, pour montrer que n'importe moun ouye, ou ka yon nouvelle créature en Christ. Bon Dieu, gen pouvoir pour le changer, et ceci c'est par l'amour, c'est ça la grâce. La grâce vini pour montrer que le péché, pas défini qui est souillé, ou pas défini par péché, ou défini par l'amour de Dieu, c'est ça qu'elle t'a créé à image, ou, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quel que soit son effet, quel que soit état péché, ou, quel que soit condition, ou pas être réuni, Jésus, capable de prendre, les laveaux, les nettoyaux, les rétablis. Et c'est ça que Jésus dit en bagaille. L'apôtre Paul dit, si l'apôtre Paul, pas de dit ça, il dit, il n'y a point de condamnation pour monde qui est en Christ. Parce qu'en réalité, avec le péché, ou t'es condamné à la mort, ou t'es condamné à cause du péché. Mais Jésus dit, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit, après que bon Dieu finit d'utiliser, bon Dieu t'est retiré dans la situation, il fait demi-tout, et bien bon Dieu dit, monsieur, il n'y a point de condamnation pour monde qui est en Christ. Pas de monde qui a jugé ou de vous venir dans Christ. Les choses anciennes sont passées, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. De vous venir qui a mis accent sous passé ou, de vous venir qui a mis accent sous passé ou, sous ce qu'on fait, tout au décon vive, c'est ruse du diable pour le drag ou bac. C'est ruse diabla pour le ralo derrière. C'est ruse diabla pour le fort humain qui pas de bon. C'est ruse diabla pour le fort humain qui pas gagné la caillou qui bon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de monde qui était bon. Nous tous péchés net. Il suffit que vous acceptez que ces pécheurs pour capable bénéficier de la grâce de Dieu. C'est bien malheureux, je ne dis, hein. Pour nous bien des hommes, tant que Markens, je ne dis pas, qui a vu avancer une série d'arguments qui pas qu'imbé. Les nègres la copelle du gosse, oh oui. Bon Dieu prend nèg sa yo, la moutre tout bagay. Bon Dieu pour utiliser net nèg sa yo même, pour le montrer que, n'importe moun qui a vu une jeune ni, quel que soit dans niveau de, il a vu une jeune nous, l'utiliser David même, l'utiliser Salomon même, l'utiliser, comment il est là, Moïse même, l'utiliser Paul même, l'utiliser Nexao même, de façon pour le montrer, pas de péché, qui a supplanté l'amour de Dieu, pour vous-même. Mes chers amis, m'a dit nous, ça fait très attention. Faites très attention avec moun sa yo. Et m'a dit nous ça sincèrement. L'aime dit nous faites très attention avec moun sa yo. Pour yo pas détourner nous de la foi. Pour yo pas détourner nous de l'évangile du Christ. Pour yo pas détourner nous de la vie éternelle. Vous comprenez? Nous changer, c'est un des plus grands problèmes qui gagnent. Parce que où est l'on pas maîtriser les notions élémentaires, les notions de base pour annoncer qu'il y a des bagarres ou pas à faire. Est-ce que vous comprenez? Mes chers amis, m'a terminé là avec nous pour me dire nous. M'a terminé là pour me dire nous. Pas quitter moun détourner nous de la foi. Quel que soit état vie ou t'es m'a fini pour me dire, sachez que vous avez un avocat auprès du Père qui intercède pour vous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il t'est compati avec vous dans problème.
Li te compati avec ou dans calamito. Li te compati avec ou dans souffrance. Li connaît soit endurer, li connaît soit traverser, li connaît soit endurer chaque jour. C'est peut-être ça te vini lui-même, li te fait chair et sang, li te participer au sang et à la chair pour te capable bon la vie éternelle. Mais t'as rien mon qui va comprendre. Ça fait grand pile monde, yo pense yo intelligent. Ou pas? Va l'expliquer nous. Grand pile haïtien qui pense yo intelligent. Oh, pas de bon Dieu, depuis nèg la prend des coups philosophie. Depuis yo prend des coups philosophie, yo pense yo ka vinn di pas de bon Dieu. Yo pense yo ka vinn di, oh oui, y a raisonné, yo pas même qu'on lit bien. Yo pas même qu'on lit bien. Et c'est un plus gros problème haïtien. Yo pas qu'on lit mais yo pense yo ka vinn prend passer mon nan risible. Je vais même faire un bon débat sur la philosophie. Je vais même maîtriser la pensée philosophique. Je vais même connaître. Mais vous pensez que Kavin Do, oui, c'est si c'est là. Mes chers amis, Québec, foi nous en crise bien. Pas quitter le monde, détourner nous, ni à gauche, ni à droite. Passez bon après-midi, moi remets nous. Québec là, pas découragé. Ciao.